D'ailleurs, nous avons incité l'ensemble des membres du REJAMS à s'acquitter de leur cotisation annuelle, mais aussi à fixer un montant annuel destiné à ces mêmes cotisations. Et hier, Dieu merci, au bout des échanges, on est parvenu à s'entendre sur un montant de 5000 francs que chaque membre du REJAMS doit verser à la structure. Bon, maintenant, nous avons, de concert avec les autres partenaires, nous avons soumis nos projets, nous avons ficelé un projet que nous avons soumis à l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le cadre de l'action anti-mine au Sénégal. À cela s'ajoute notre ambition de dérouler un certain nombre d'activités au cours du premier trimestre de l'année 2013 en faveur des confrères de Seydou et de Kolda pour leur permettre de se constituer en cellule à même d'être des relais du REJAMS au niveau de ces deux régions. À ce niveau, nous avons l'engagement moral du CNAMS qui compte nous accompagner dans ce sens. Et nous avons bon espoir qu'avec l'aval des partenaires et l'appui de l'ensemble des confrères exerçant en Casamance naturelle, le REJAMS a des beaux jours devant lui.